Dans l'ordre, commandant Jacques-Yves Cousteau, numéro 1 mondial, 102e et 3e électronique à ses jours. Il a parcouru les mers, il a fait la plongée, fou mari, en un hors l'un des conseils comme le pays au critique le plus puissant au monde. Il est ressorti indemne. Cet homme est tout sans appareil artificiel de plongée. Tantin des eaux navires au Calypso, rentré dans les profondeurs des eaux sans appareil de plongée. Il vous disait, lui-même, vous avez plusieurs témoignages, non? Il a côtoyé les sirènes, le monde était initié profond dans le communisme. Il est ressorti des ennemis. Toutes les mers du monde, il les a mis au Calypso. Mais quand il est venu, il savait faire ça, arrêter pour les mots. Ça a arrêté sa mission, son magistère, son ancien des plongeurs, a pris fin dans ses pays. Il est sorti avec son corps, il était humain, il ne parlait pas. À l'aéroport, il posait les yeux, il ne répondait pas. Père, et par écrit, les gros saints pères, il a été croisé là-bas. Le monde s'est trouvé. Il n'a pas dit, le pays, le monde se trouve, la vie entre les yeux, il n'a pas été dit, c'est là où la force des femmes est prise. Amen, amen. C'est quoi je parle du Gabon dans les temps de la fin. Il y a un rôle majeur. Amen, amen. C'est quoi voyons des stars dans le mauvais sens avec les maillots, les mains, les papoufeux. Je vous dis que c'est un que je dis. Avant, il va avoir un réveil. Amen, amen. Ce sera pas un réveil qui sera non signe et miracle pour distraire un réveil par la connaissance. Ça lui dit dans les derniers temps, la fin de la vie, comme les eaux recouvrent la lumière, la connaissance devra recouvrir la terre. Ça veut dire que ce ne sera plus Jésus sauf. On fera la profondeur appelle à vous.